Très chers amis de la presse que j'ai l'habitude d'appeler la presse de la liberté, bonjour. Donc, j'ai l'honneur d'être devant vous aujourd'hui dans cette séance de conférence de presse qui sera dans notre langue vernaculaire lingala pour écouter là-bas congolais. Écoutez là-bas congolais vraiment jusqu'à la moelle épinière. Donc, c'est fils Mukoko, le gardien du temple de la démocratie, aujourd'hui confirmé prophète politique, l'élève du Sphinx. D'abord, dans notre point de vue, conférence de presse, nous allons aborder deux points. L'actualité, il y a un mouvement ABT et on va parler, il y a problème Oyo et Linga qui est à l'actualité, mais ils ont l'actualité, ils ont théâtre de Kingabwa, de Jean-Marc Kabou. Affaire Jean-Marc Kabound, bah image aux autres circulaires que fils Mukoko, al obo mon fils Mukoko na polo ya pembe na jaune, les a bah image aux et sali au moins une année passée, na prophétisera déjà sur Jean-Marc Kabound. Une année passée, j'avais parlé dans ma Kambouana, mais les gens bah, croyaient que c'était un mère de troubles. Bah, tu as bah, respecté la hiérarchie. Une année passée, na mona tiango bizarre, na moi tant ya mouke tozu pouvoir. Muta koko tonganda kwa bongo pe avec main d'œuvre ya ba chinois. Une année passée, Nassina constata que Jean-Marc Kabound était comme Lucifer Pembeni, Yanzambe. Il jalousait le président. C'est-à-dire, il voulait devenir Fatih. Yangonde Akouya Nassé, Batindika Nassé. Donc, Jean-Marc Kabound. J'avais constaté déjà une année passée à Zalaki na jalousie à Lucifer, l'ange de la lumière. Une année passée, j'avais prophétisé. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Naba mdaku ya ba modelo tomoni neti ya ba twa mobutu o ba salaka 32 ans na pouvoir eko zanga kamera kache eko zanga ba kamera koma tokoki komona ndenge ba soda ba yaki. Mendenge ba soda ba panzi bilo na kati ya ndaku tomoni yango te. Théâtre de Kingabwa. Théâtre de Kingabwa. Ba filme ndenge ba kamere, filme ndenge ba soda ba yaki. Mendenge ba soda ba sakaje na kati ya ndaku image zate. Kabunda panzinda kuna eye moko. Po azana ba kontra moko boye na batu mo boye. Po basala plateforme profesi yango ebima deja. Po basala plateforme moko boye. Oyo eko bundisa Fatih na ba eleksyon na 2023.
à sa zumbongo na bango ko panza be grand place mais wana biloko wana nyo sezi lo côté na mbongo ebela zui Jean-Marc Kabund n'a jamais aimé le président. Jean-Marc Kabund avait convoqué le congrès à IDPS, c'était sous pression. Il ne voulait pas, sous pression de la base, il ne voulait pas convoquer le congrès. Jean-Marc Kabund, l'armée de Baptiste Tshisekedi, c'est le gardien du temple de la démocratie. De condamner cortège aux oiseaux qui sens unique. Mais de condamner violation à domicile, il y a M. Jean-Marc Kabund par les éléments, il y a garde républicaine. Mais ton lobby, à partir à l'élo, nous avons constaté que Jean-Marc Kabund, comme on est commis, messieurs le roulage. Messieurs le roulage, Ndenge Mokona, secrétaire général de AI, illégal, Yepe, Azao Babengi, ex-Kadhafi. Monsieur le roulage Jean-Marc Kabund, il y a une année passée, n'a dénoncé dit comment a comment qu'on blasphémé histoire à UDPS. Ba fanatique naye, ba comment qui ko bengaye 14e parlementaire. 14e parlementaire. Or, qu'il y a une histoire à IDPS, il y a eu que 13 parlementaires. Il y a eu que 13 parlementaires dans l'histoire à IDPS. Jean-Marc Kabund, il a clochardisé ma combattant à IDPS. C'est-à-dire, situation sociale, il y a des combattants IDPS et ça, au Babengi, pendant le pouvoir égal, avant le pouvoir, pauvreté à cause de Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabund, c'est l'assassin de l'IDPS. Je vais vous démontrer ça, les lots. Mauvaise gestion des ambitions. Pose-moi Moussala ton recommandation pendant pouvoir Royo. Il faut à la fanatique, il y a Jean-Marc Kabund. Ce rosa combattant, esprit libre aux pouvoir. Ma secrétaire nationaux, ma représentant IDPS extérieur. Oyo balinga ba respecter logique. Jean-Marc Kabund a condamné bango na piata. A sabota ba représentant IDPS à diaspora. Oyo babanda kotin de la biso. Ba mbongo poto sala lutte. Oyo babanda kolatisa. Les sphinx. Tshisekedi Etienne. Jean-Marc Kabund a mona bango ni ba papier génique na ye. Jean-Marc Kabund, la résistance au gardien du temple na Salelae. Il a appelé des militaires bataka résidence ya Sphinx. Lupango à maman Marthe. Jean-Marc Kabund n'a pas du respect vis-à-vis la famille présidentielle. Mais c'est le roulage de Jean-Marc Kabund. Est en train de rêver. Il dépasse le côté de la tombe de l'icolo.
ndenge mo so ba kitisi oko sila. Où est ma vungu? Que son âme repose en paix, mais où est ma vungu? On a eu des pèses bandes qui ont bien à ma charge. L'être qui t'y saqué, tout domina qui est. À l'IDPS, tout le monde est remplaçable. Moutou, tout n'a IDPS à Koleka. Fatia Koleka. Ngana Koleka. Base Kotikala. Ce qui restera éternel à l'IDPS, c'est la base. C'est les combattants, c'est les parlementaires debout. C'est les forces du progrès. Bano ba sala sacrifice pour na combat. Jama Kabound. Sera bel et bien réencadré aujourd'hui. Ata boza ma passa. Sobo la libolo tandoto morote. Ata boza ma passa. Sobo la libolo tandoto morote. Éteignez vos téléphones là, ça me dérange. Je disais, il est passé tombe la paix qui t'y sac. Et le Kotaranase et Matissi Likolo. Où est ma vungu? Que son âme repose en paix. L'air à Bunga et au Kitisakina. Fati passera. Moi je vais passer. Tout le monde passera, mais base égotique à la base. Les parlementaires de Bouba Otikala. Jamar Kabound. Yena Kolit Nae Kabouya. Ce sont des assassins. Il y a eu des pèses. Comment un parti politique qui fonctionne chaque jour et livra la carte des membres. Comment un parti politique, Batou, ils ont fait l'escroquerie à ciel ouvert. Batou Batigana ba récit. Bazoua ba carte. Azoua mbongo nyon soit tenda nango ko sa campagne na epa bima député. Jamar Kabound m'a interdit et tant d'autres combattants pendant 3 ans, personnellement pendant 3 ans, n'a kota un siège à partité. Jamar Kabound, il a tenté, mais c'était Mesir Mogobo et Simbate.
étouffement nanga en montant contre moi quelques communicateurs faibles pour babo ma image ya gardien du temple. Jaman kabund. Il a tenté de me remplacer, les Benjamin de la présidence du parti. Pour aller bien que soit à l'élection avec Jekoko à Oubima député. Jekoko c'est mon frère. Je n'ai pas de problème. Jamais Kabunda Salaba calcul. Jamais Kabund. Bino bato bo pesa ke bambongo na bino. Pour un dossier tel. Bokende dia ko singe, ça n'engage pas l'IDPS. Bino batu bokenda na bureau ne privé. Bokende déjà ko singe. Na bato mo capitaine à la moko. Bazami balete. L'église catholique est pas pas à moko. Jamal Kabund voulait amener la République comme si il y avait des vice-présidents net na Tanzanie. Il s'est considéré vice-président. Ndoto il y a coûté les mains. Jamal Kabund s'est considéré vice-président net na Zimbabwe. Or qu'en République du Congo il n'y a pas de vice-président. Jamal Kabund ba acto ya salaki. Abanda ko salango depuis kala. Abanda ko salango depuis kala. Atobola ba piné. Atobola ba piné. A tobola ba piné ya batu ba mona. Monsieur le roulage. Jamal Kabund a commis sa victoire. Ya Félix Tshisekedi net ezayé. Qu'est-ce que Jamal Kabund a fait pour Félix a commandé le pouvoir. Donc, yende à Salak et Félix. Jamal Kabund, c'est un soldat qui a déserté le rang. Boye dit sort, il y a soldat soit déserté rang. À l'IDPS, il y a eu des secrétaires généraux. Oya Longwana Kimia Ezakaka Rémi Massamba. Honorable Rima Samba. Nous sommes pour Mindondo. Jamal Kabund. Nazoye biso lelo. IDP se zanzete. Biso nyo soto zama kasa. Likase go kweya. Yasike go bota. Quand il y avait Liaou. Quand il y avait Kibasa. Quand il y avait Mwankiem Vincent. Quand il y avait Faustin Birindwa, quand il y avait Paul Kapita qu'on appelait Dauphin, nous nous étions pas là. Maintenant c'est nous. Il dépend ses anxiétés. Bisoto à ma casa, bisoto na ba fati to à ma casa, et kokoya ya yasike ko bota. Au combattant qui croit que Jamal Kabund va faire quelque chose. L'aura de l'IDPS s'est alimentée. Si tu crois que tu peux déplacer puissance à l'IDPS, quelque part, yebake, au sala, 2 jours à Orlando, 3 jours à Orlando, au Tikayo Moko. Beltic avait tenté de déplacer l'IDPS, na Rigini. Boke nota la sort, nae. Moubaki avait tenté de déplacer l'IDPS. Na kangish na lemba. Boke eta la sor nae. Moutate le maate.
l'aura de lui dépasse c'est à limiter. Au combattant au baolinga balandajama kabund sur base y a fanatisme. Sachez très bien. Politiquement. Vous savez le sort des combattants Balandara Tibala. Vous savez le sort des combattants Balandara Tibala. Basuka wapi. Tant que gardien du temple de la démocratie. Naebisi na base nyon soyez d'EPS. Bon, observez. Ne faites pas la violence parce que nous sommes des non-violents. Batoyo Bakolanda Kabound botiki la bango tan. Bosa bango violence te. Peut-être l'ignorance. Ba ozonga na raison neti batou balandara sami badi bangana ba balandara tibala. Si les gens ont eu à respecter Kabound, c'est parce qu'il était avec nous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. L'union sacrée, c'est l'idée de Messie Félix Tshisekedi. Jamais Kabound comparé n'est pas raison. Parce que Kamere était dans le Parlement. Alonga PPL da sali INC ngape lokola naza na parlement na kolongwa na osala quelque chose si c'est décision finale. Comparé, tu n'es pas Vital Kamerhe le pacificateur. Kamerhe c'est Kamerhe et toi c'est Kabound. L'IDPS qui ne livre pas de cartes mais na parti politique nae oyo abanda ko préparer déjà. Bah, livra bah, carte biométrique, mais dans les partis, il n'y a pas de carte. Vous voyez comment ces messieurs tuer les partis. Nous sommes un parti de situations difficiles. Mais tu maîtrises en haut. Nous sommes un parti des situations difficiles. Balobana français, hein? Pour voir le visage d'une personne, il suffit d'attendre que le temps consomme les masques qu'il porte. Pour voir le visage d'une personne, il suffit d'attendre que les masques consomment. Que le temps consomme les masques qu'il porte. Il a fallu du temps pour boire le masque au Kabound à l'attaque. Jamais Kabound. Quand j'avais fait prophétie sur Kabound, na kangaki lokomoti seke le père Ayeb Sanga. La vérité est une arme invisible qui frappe tôt tard. Wana les pères, là j'avais 18 ans. Léona on a demandé fois pembe. La vérité est une arme invisible qui frappe tôt tard. Nazalai calme. Tous contre nga mais Nazalai calme. Il m'a verrouillé, il avait instruit dans le présent parlement de Bounion, ce Bayamba Angate. Jama Kabound veut dire que Yenda Yebisa Fatia retiré signature. Beaucoup fitin qui avait porté les tenues militaires à 6h du matin dans le parlement à Gilles Nazang. Pour dire Fatih retirer signature ou bien ton longolo na parti na biso. Et Zangaï n'a pas parlementaire de lui. Il est venu récupérer la situation à 14h. Les pinezo pelana limité. Qu'est-ce que Jamar Kabound a apporté pour que Fatih soit au pouvoir?
Il y a des gens qui sont dans la diaspora, ils ont donné leur argent. Babiso na longwa, na sala ki journalisme, na tangate, émission candidat favori, pour na vendre candidat fati. Na ebo yembate na kota studio, na yemba zembu. Fati président, pour tout ça ka propaganda fati. Naza bankete na koma au Congo la 1 dollar pour Fati na bandai ko ke utika ona na banque moi place. Qu'est-ce que Jama Kabunda fait pour que Fati soit au pouvoir? Nganga oyo okendaka obomba mokonzi ya mboka ndenge bango ndu baba bomba ka mobutu. Qui s'y n'a eu et s'y li le lo. Fati Aza de Nazareth. C'est Fati de Nazareth qui s'est poli. Nous attendons votre démission à main ouverte. Et votre démission dans les partis. Et après suivra votre auto-exclusion. Déjà dans l'âme des combattants, dans l'amitié de mes combattants, on a déjà auto-exclu. Na prometta kao ke na rolongola kao yi de pes. Na prophétie ya il y a une année. Lelo longwe, auto-exclu du parti. L'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je suis étonné de voir Papa Mbosso se rabaisser jusqu'à ce niveau. Je suis très étonné. Une institution comme Assemblée. Et qui ne bonde la un individu dans Papa Mbosso, vous devez arrêter avec ce genre d'actes. Ok. S'occuper na ba loi na ba budget pour voter ensemble. Pas d'ingérence na ba problème là-dessus. Il y a eu de peste. Dans l'Union sacrée, il y a des compétences. Oh, bah, remplacer Kabou na poste. Hein. S'il vous plaît, Papa Mbosso. Avec tout le respect, pas des ingérences dans la politique de la IDPS. Jama Kabound, Azalaki Obabengi. Moutou yo alinga te lumière abatoué bima. Kobo maba lumière. Très chers amis de la presse. Aujourd'hui je vais finir. Qu'il aille déposer sa démission. On attend ça. S'il ne dépose pas la démission, je demande aux députés de l'Union sacrée de prendre leurs responsabilités. Va destituer. Il sera humilié. Il sera très humilié qu'il dépose sa démission. C'est un. Il a trahi. Arrogance notoire. Nous devons beaucoup de respect à la famille du président Fati. C'est sa famille Oyo. Pendant le combat ya papa na bango. Le loba kangé batinge mbandaka, le loba kangé batinge kisangani, le loba kangé batinge relégation, le loba kangé. Boyebi koma balai traumatisé.
Maman Marthe en soi azaba maman misusu maboya Tshisekedi. Eh pona makamna politique na boyo mais azala ki toujours na Tshisekedi. Bana traumatisé. Bande kwa Fatiba Roseline Mbombo ba Daniela na poto ba linga kate ko kende. Pour chasser par au babengi pouvoir. Pourquoi s'attaquer na famille ya président? Est-ce que vous avez vu Christian Tshisekedi, malgré qu'il est le petit frère du président, que ça là bas trafic d'influence des Zoa bande que ça là. Président il dit ça bah un moto dès qu'il a pouvoir. A solo na ba combattant a ke ko sula bango famille na bango ya ba kwa tombolo esi bango muto na ko mona na ba trafic d'influence a ba ke ngana e to ko risque to pesa na mbote te pendant 5 ans pouvoir. À tout moment famille président ce qui famille na bino ba kabun des anga identité jalousie na famille a batu po na nini créer identité famille na bino. Ndenga na créé identité à famille ba mukoko. Yoka ko s'attaquer na famille ba tupona nini? Jamar Kabund. Très chers amis de la presse. IDPS sans Kabund, l'IDPS continuera. Tozana besoin ya ba konzi. Oyo bakoya. Peut-être je serai aussi candidat parmi bato ba diriger IDPS parce que j'ai une vision pour diriger les partis. Si la base me pousse. L'IDPS il faut que mon conduit au yago sala été facha gagner l'élection. Comment mon conduit au yago sala été facha gagner l'élection? Toko ta na distraction, il faut tout travailler mingi makambo ba témoin. Formation ya ba tuna makambo l'élection. Il dépèse. Il faut se doter. Il faut pas faire des pièces imprimerie ultra moderne pour préparer la visibilité de la vie. Il dépèse. Il faut créer au babengi. Qu'est-ce qu'il y a sécurité sociale, il y a des combattants. Misère et qui m'accasse. Il pas dans bon l'État, dans l'organisation. Il dépèse. Il fait ça là où va bengi. Dans chaque fédération, télévision et radio, les peuples d'abord. Il dépèse. Tous en a besoin de conjabon. Jamar Kabund. Jamar Kabund doit partir pour terminer lui avec son acolyte Kabuya. L'aider. Kabuya, Corbillard à secrétaire général. On m'a mis Jamar Kabund dans l'Iwa. Très chers combattants, nous avons eu une réunion à Toyebani. À l'équité parlementaire de Bouyozo Landangaï. Si vous avez eu une réunion, vous avez eu une intimidation. Vous avez eu intimidation. Un homme fort. C'est comme Félix Assekaka.
excusez-moi aussi, c'est comme aussi Kabila. Ce sont des hommes forts. Alors c'est car. Ce monde m'a dit qu'il y a une intimidation. Intimidation faible d'esprit de Nazana. A comme on a ce qui va être à la stade, qui est déposé déposer l'administration, et ça, on a parlé du peuple, on a leur démission. Sinon, on a humilié. Au moment où le peuple, les combattants de l'IDPS, il faut pas la focaliser dans le dernier virage, au Tozan en 2022, après que tu l'élection, tu veux distraire et pour diviser les combattants. Tu viens traumatiser les combattants. Je te dis, Jean-Marc Kabound, l'IDPS restera indivisible.